Cher membre de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Je fais la vidéo du week-end pour faire le point sur les marchés et sur les stratégies que je mets en place sur les indices, ainsi partager avec vous ma vision sur l'économie et ce que j'anticipe sur les marchés. Alors je rappelle que c'est une chaîne pédagogique et de formation en trading, hein, c'est pas du conseil boursier. Je vous invite toujours avant d'investir à consulter un conseiller financier professionnel. Votre banque est idéale pour ça. N'hésitez pas, avant de prendre des positions sur le marché, d'avoir l'avis d'un expert des finances comme votre conseiller financier que vous pouvez avoir dans votre agence bancaire par exemple. Le point sur les marchés. Je fais peu de trades en ce moment puisque je suis dans l'attente de la mise en place de ma stratégie. Alors, le portefeuille a été créé le 15 août 2021 avec 20 000 euros de capital. Il est actuellement à 67 552,91 euros. J'ai des résultats moyens de 18,74 euros. J'ai passé 3604 trades. J'ai 93,8% de trades gagnants, 92% de trades à l'achat et 94%, presque 95% à la vente. Depuis le début de l'année, mauvais début d'année, hein, ce mois-ci, appliqué. Depuis le début de l'année, on voit que je suis peu actif en trade. Hein, je trade très très peu parce que je laisse bien sûr le marché, le rebond se faire dans le but d'appliquer les stratégies que j'anticipe à venir pour 2023. Je suis en perte actuellement de 564 euros. J'ai passé 22 trades seulement. Je suis sous mon seuil critique des 80% de trades gagnants. J'ai fait 37% de trades à l'achat, 100% à la vente. Donc là, on voit que je suis vraiment dans une phase d'attente sur les marchés afin de profiter d'une nouvelle correction, de la prochaine correction H4 que j'anticipe. On va passer directement à l'analyse des indices. Alors, je vous rappelle, hein, cette chaîne est uniquement pédagogique. Sachez que l'investissement en bourse est quelque chose de risqué, donc attention quand vous suivez mes stratégies. Hein, moi, j'applique ce que je dis. Ceux qui veulent me suivre, prenez vos responsabilités, renseignez-vous envers un conseil financier. Avant. On va passer directement à l'analyse des indices et ce que je pense sur les marchés. Alors, tout d'abord, on a vu sur là, c'est l'indice CAC, hein, sur les tendances très long terme. On a vu tout, bon, en 2021, j'ai joué ce fort mouvement baissier, ce qui me permet d'avoir les performances que j'ai sur mon portefeuille. Et à proximité des 5500 points, j'ai décidé de racheter mes ventes pour me replacer dans cette zone. Dans cette zone de vente ici et idéalement dans la zone de vente majeure. Et là, on se rend compte que l'indice a continué à monter. La force acheteuse est là malgré les problèmes économiques, la guerre en Ukraine, l'inflation, la dette des États-Unis qui sont toujours présents. Et pourtant, les marchés oublient tout ça et achètent dans une phase de déni, persuadés que la crise est terminée. Donc on est le CAC a quand même poussé, si on regarde ici, il est à plus 5,70% par rapport au haut de la zone de vente majeure. Alors cette hausse n'est pas inquiétante pour moi, puisque ben, comme vous savez, je prends des petites positions sur de larges niveaux, donc j'ai des possibilités de me positionner sur des niveaux supérieurs, mais au-dessus des 61,8, je ne me suis pas renforcé sur mes ventes, j'ai quelques ventes ici. Et je surveille le prochain signal de vente 4 heures sur les années. Alors déjà, il y a beaucoup de choses dans l'économie qui m'interpelle. Tout d'abord, on voit que les entreprises qui sont implantées, qui ont implanté leur production dans le monde, que ce soit depuis ces dernières années, ben on est en train de tendre en fin de compte vers une mondialisation qui devient régionale en fin de compte. L'Asie produit en Asie, maintenant l'Europe en Europe et l'Amérique en Amérique. Et ça va poser des problèmes sur le commerce mondial. Donc je suis très inquiet en fin de compte sur cette régionalisation en fin de compte de la mondialisation. Ensuite, on voit la guerre en Ukraine qui est toujours présente. On voit que Poutine a l'intention, en fin de compte, quand on suit le discours des politiques russes, d'envahir complètement l'Ukraine et de faire de la Pologne son voisin. Donc la guerre en Ukraine est loin d'être terminée, on a eu une pause. Je pense que les marchés se réjouissent un peu vite des victoires de l'Ukraine, malgré le soutien
énorme en fin de compte de l'OTAN. On voit des chars qui vont arriver, peut-être des avions. On a une escalade, et puis derrière, on a la Russie qui a une armée de masse qui peut eh ben, causer des dégâts et eh ben, remplir ses objectifs qui consistent à reconquérir les territoires, surtout à éradiquer, comme disent les Russes, le gouvernement ukrainien. Et surtout, le but ultime, c'est bien sûr bah, de récupérer l'Ukraine. Donc, la situation géopolitique en Ukraine n'a jamais été aussi catastrophique, quoi. On a vraiment une montée en puissance. On voit la ministre allemande qui dit carrément qu'elle est en guerre avec la Russie. Donc, c'est extrêmement inquiétant. Et les marchés bah, ont tendance à oublier ça. Crie victoire un petit peu trop vite, et je crains hélas qu'en 2023 la guerre en Ukraine soit beaucoup plus intense et qu'on pourrait avoir de très mauvaises surprises. Donc voilà, donc Poutine se prépare clairement à une nouvelle offensive hein, qui va arriver certainement au printemps, peut-être plus rapidement. Et la Russie veut tout simplement conquérir l'Ukraine. Et voilà, et après derrière, qu'est-ce qu'il y a? La Pologne, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a quand même des incertitudes qui sont dramatiques. Puis on voit les tensions aussi avec la Chine, Taïwan, et puis les États-Unis qui commencent avec le Japon à mettre des pressions sur la Chine, puisque bah, les États-Unis se battent en ce moment pour limiter les exportations de puces vers l'Ukraine. Alors pourquoi est-ce que les États-Unis se battent ainsi? Est-ce qu'ils ne veulent pas empêcher la Chine de fournir de l'armement à la Russie? Bref, c'est très inquiétant, cette guerre économique qui se passe actuellement avec la Chine et les États-Unis. Ça fait... C'est pas rassurant en fin de compte. Et puis on a aussi d'un point de vue... économique, on a la dette des États-Unis qui est arrivée sur un niveau monstrueux. On a atteint le plafond de la dette. Alors il y a des mesures d'urgence, donc là personne n'en entend parler, mais le plafond de la dette est atteint. Et là aujourd'hui, on est en train de se préparer à faire des économies aux États-Unis et d'éviter un défaut de paiement qui pourrait être dramatique. Je rappelle aussi que l'inflation a baissé, c'est ce qui fait monter les marchés. C'est l'inflation bien sûr générale qui a corrigé, mais quand on regarde l'inflation des services par exemple, l'inflation du logement, qui est vraiment l'inflation la plus pénalisante hein, pour les ménages américains, bah, cette inflation a continué à monter et reste très très forte. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des Américains qui ont du mal à payer leur loyer, à rembourser leur prêt immobilier. Et puis même, si je regardais une statistique, on voit que les Américains n'arrivent plus à rembourser leur prêt automobile. Le niveau est encore plus élevé que pendant la crise de 2009. Donc on a vraiment des Américains qui sont habitués à vivre à crédit, à dépenser énormément d'argent, et qui aujourd'hui, avec l'inflation, la crise économique, malgré que le chômage soit très très bas, n'arrivent plus à rembourser ou sont en difficulté à la fin du mois. Et puis, je regardais des statistiques sur l'épargne américaine. Bah, l'épargne des Américains a fondu comme neige au soleil en moins d'un an. Donc, et le taux de défaut de crédit augmente fortement aux États-Unis. Donc, c'est extrêmement inquiétant. Donc, moi, je m'attends plus dans les mois à venir. En 2023, cet excès du marché va laisser place à une correction qui risque d'être assez violente. Je m'attends une baisse à deux chiffres sur les indices parce qu'on va corriger l'excès. Les indices ont pris plus de 20% depuis le mois d'octobre pour certains. Ça s'est envolé un petit peu sur du vent sans que la situation économique, géopolitique ait changé. On a eu une petite baisse de l'inflation, mais les taux d'intérêt restent toujours très élevés et on voit que les marchés montent, les indices hein, se maintiennent très très haut. Mais derrière, on a plein de valeurs qui s'effondrent. On a encore vu Ubisoft qui s'est effondré, on a vu Atos, on voit plein de valeurs les unes après les autres. Quelques valeurs refuges ont soutenu les indices, les grosses valeurs d'accord, mais demain, elles vont être bien sûr vendues par les fonds parce qu'elles arrivent sur des niveaux de prix très élevés. Peut-être qu'à un moment, bah, ces gens vont solder ces valeurs et provoquer une correction des indices et peut-être se repositionner sur des valeurs beaucoup plus attractives, mais sur des niveaux bien plus bas. Donc je suis pessimiste sur ce niveau-là. Je n'estime pas qu'on est sur des niveaux d'achat long terme, mais je ne vois pas les indices poursuivre à ce rythme dans les mois à venir avec la situation économique, géopolitique que l'on a aujourd'hui. Quelque chose d'inquiétant aussi, on voit que le Japon va devoir relever un gros défi, hein, puisque le retour de la déflation et le ralentissement économique brutal au Japon n'est pas impossible, hein, puisque voilà, ben,
la Banque centrale du Japon essaye en fin de compte de relever ses taux, de ramener une inflation à 2%. Mais si c'est un échec, ben, c'est le retour de la déflation, un retour économique brutal, et on aura des turbulences sur les marchés mondiaux, des actions, des obligations, et un effondrement de la crédibilité de la Banque du Japon. Donc au Japon, il faut se méfier, d'autant plus qu'on sait très bien qu'un yen faible et un dollar fort, ça génère des kiritrades, et des kiritrades, ben, on pourrait avoir des mouvements brutaux sur les marchés des devises. Donc aujourd'hui, par rapport à la situation de 2021, si on prend le marché en 2021, quand je vendais ici, j'étais plus dans la prévision de l'impact des marchés et des devises sur la hausse des taux que les marchés, que les banques centrales allaient provoquer. Donc là, j'ai joué une baisse qui était considérée comme voilà, hausse des taux, hausse de l'inflation qui a provoqué cette baisse. J'ai pris mes bénéfices maintenant et on a eu ce rebond parce qu'on a cette inflation. Ces chiffres de l'inflation, c'est vraiment les seules choses rassurantes sur l'économie qui ont légèrement baissé, mais l'inflation en général ne baisse pas. Le prix de l'alimentaire est toujours très élevé. Comme je vous le disais, les loyers, les services, tout ce qui sert aux populations explose et ne baisse pas. Il y a juste l'inflation générale qui a corrigé avec la baisse du pétrole et du gaz. Donc le mouvement qu'on a ici, c'est un mouvement de déni des marchés qui refuse de voir la réalité, et derrière, il va avoir une sanction assez sévère des marchés, le retour à la réalité. On va avoir un mouvement de panique et de peur à un moment. Bon voilà, donc on a aussi quelque chose d'aberrant, c'est qu'on voit que le chômage est historiquement bas aux États-Unis, et on s'aperçoit que là, ça commence à venir. De nombreuses entreprises sont en train de licencier dans tous les domaines, donc la hausse du chômage va augmenter en 2023. Donc ce qui va faire corriger les marchés ici, ça va plus être l'inflation, même si elle va rester pour moi forte, on sera loin des 2 à 3%, elle va parvenir à 2-3%, mais vraiment on va avoir la phase de récession. C'est ce qui va faire baisser les marchés. On va se retrouver avec des gens, des consommateurs qui ont perdu pouvoir d'achat, qui ne vont pas pouvoir payer leurs dettes, on va avoir du chômage qui va augmenter et une économie qui va ralentir. Et donc le prochain mouvement, ici on a eu le pré-crack, en fin de compte, conséquence de la hausse de l'inflation. Et là, on va avoir vraiment la phase de crack derrière, qui va être ben, la récession économique et la prise en compte des marchés de cette situation. Ça veut dire la baisse des chiffres des entreprises, des profit warnings, des licenciements massifs, des défauts de paiement. Et voilà, donc la crise va se propager. On a eu le secteur de l'automobile au début. On est en train de glisser lentement vers la crise du secteur de l'immobilier, du bâtiment. Et puis derrière, on va avoir la crise du secteur bancaire et de l'assurance. Donc tout ça va provoquer une baisse brutale du marché, une hausse du chômage, une chute de la consommation. C'est cyclique, c'est normal. Il faut que la masse monétaire se réduisent, il faut que les dettes soient payées. Et à ce moment-là, l'économie pourra rebondir plus sereinement. Les valorisations sont toujours très très élevées, qu'on le veuille ou non. Alors, quand on était sur ces niveaux élevés de marché, tout allait bien. On avait des taux d'intérêt historiquement bas, on avait le chômage historique, tous les indicateurs étaient au maximum et on avait le soutien des banques centrales. Quand on était ici, on n'avait plus le soutien des banques centrales, on avait une inflation qui était forte, on avait un chômage qui était très très bas et des résultats d'entreprises qui étaient encore corrects. Pourtant, le marché a baissé. On a eu ce rebond ici, ce rebond qui a été stimulé par un espoir que la Fed réduise la vitesse de sa hausse des taux et aussi, bien sûr, une baisse de l'inflation. Alors, les investisseurs regardent l'IPC, regardent les médias sociaux, les influenceurs, mais quand on regarde l'inflation en général et en détail, quand on scrute, les inflations qui ont le plus d'impact sur la récession économique, c'est bien sûr le service, le loyer, l'alimentaire. Et ces niveaux d'inflation n'ont pas baissé, sont toujours très élevés. On le voit quand vous faites vos courses, hein, vous avez des prix qui ont lourdement augmenté, vous avez perdu du pouvoir d'achat. Donc là, le mouvement qu'on a ici, là, qui est dans l'espoir de voir les banques centrales baisser leurs taux, ramener un soutien économique, ben, ce n'est plus possible puisque les dettes sont tellement astronomiques que eh ben, les pays vont devoir faire des économies, d'autant qu'il y a la guerre en Ukraine, on ne sait pas comment ça va devenir, ça coûte très très cher aux pays européens et aux pays de l'OTAN en fin de compte. Donc attention à ça. Donc je m'attends plus à un retournement de marché, certainement à proximité des plus hauts, peut-être, on va peut-être encore pouvoir, mais à un moment on va stagner et puis on va revenir tester les 5 500 points. C'est pour moi inévitable. Et là on sera dans un mouvement de récession, de licenciement, d'entreprises qui feront faillite, d'entreprises qui annonceront des mauvais résultats.
de la chute des consommations, de la consommation de ménage, de la chute des défauts de paiement, des défauts de remboursement, du retournement du marché de l'immobilier, de la baisse, la chute des ventes du marché de l'immobilier. Et tout ça, ça va engendrer une correction jusqu'à un moment où on va avoir un problème sur la dette de certains établissements bancaires, la dette de banques centrales, la dette de pays comme l'Italie qui est fortement endettée et bien d'autres pays qui vont se retrouver en difficulté. On verra les CDS, on a vu les CDS, les défauts de. Des outils qui servent en fin de compte à se protéger contre un défaut de paiement de certains pays. On a vu à l'approche du plafond de la dette des États-Unis, bah, ces CDS qui ont fortement augmenté. Donc il va y avoir un stress sur les marchés. On a le krach immobilier en Chine qui se met en place. On a aussi le Covid. On ne sait pas ce qui s'est passé avec le nouvel an chinois. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes. Et on a aussi cette guerre en Ukraine qui va peser. Donc acheter des marchés sur ces niveaux de prix ici, je trouve ça extrêmement dangereux à long terme. Autant ici, il était possible de racheter les positions vendeuses. Quand j'ai vendu ici, j'ai racheté mes positions vendeuses, mais ce n'était pas des rachats réels. Je rachetais des ventes pour prendre des bénéfices. Les personnes qui après ont suivi le montant, et peut-être qu'il y a eu des acheteurs de marché pour profiter à très court terme, moyen terme, d'un mouvement de rebond technique, bah, profitent de ce mouvement. Bah, ici, ceux qui achètent sur ce niveau-là ne vont faire qu'acheter les actions et les titres que vendent les personnes qui ont racheté ici. Donc vous allez permettre aux personnes qui ont acheté d'une façon intelligente sur ce ou qui ont racheté leur vente ici de vous vendre leurs titres, mais ces personnes-là bah, vont se retrouver en perte. Et donc on va se retrouver à un moment avec les vendeurs qui ont vendu sur ce niveau-là, qui vont revendre à nouveau ici, et ces acheteurs ici qui vont perdre de l'argent et qui vont revendre en même temps, et on aura un nouveau cycle baissier. Donc c'est un peu. Pour moi, c'est la crise est loin d'être terminée, elle se met en place, c'est une poursuite, une continuation. On est vraiment dans cette phase de déni des marchés et je ne pense pas que les indices puissent tenir les plus hauts historiques longtemps. Donc pour ça, je vais surveiller bien sûr une correction H4 à venir sur l'indice CAC 40. Mon scénario est inchangé sur les indices, sur tous les indices. Je vise toujours bien sûr une zone de retracement entre les 50 et 61% du mouvement historique haussier des marchés. C'est vraiment dans cette zone-là que je serais intéressé d'acheter l'indice CAC 40, mais surtout pas sur ce niveau-là. Quand on a eu la crise la crise du Covid, si je reprends ce retracement-là, ben j'étais acheteur de cette zone ici. Dans cette zone-là que vous voyez ici, j'étais acheteur, toujours pareil, entre 50 et 61%. C'est là que j'ai acheté et renforcé certaines positions dans mon PEA. Aujourd'hui, bien sûr, l'indice a progressé derrière, donc on a eu une surprise étonnante, cette hausse du marché. Et maintenant, bah, mon retracement ici et ma zone vient tout simplement s'ajuster désormais. Si c'est ici que j'achète les marchés, je n'ai aucune raison d'acheter le marché sur un autre niveau. Je rappelle que l'indice fluctue autour d'un prix moyen. Donc on a eu ce mouvement, on est monté, on est redescendu, on est remonté, mais on doit revenir à proximité de ce prix moyen des 4 900 points. Ce prix a augmenté. Je rappelle que quand on a eu la crise de 2009, bah, mon niveau d'achat était dans la zone ici. C'est ici, et vous voyez, j'ai pu profiter d'achats ici sur des mouvements correctifs ici à proximité de cette zone. Donc on achète vraiment le plus proche possible des 50%, toujours ici. Donc là, cette zone de 50%, elle a naturellement augmenté, donc elle est là. Et puis, les niveaux qu'on a de prix ici, c'est vraiment quelque chose qui sont une aberration économique. Si le marché a pu monter aussi haut, c'est uniquement parce que les banques centrales ont distribué des milliards de dollars, elles ont baissé les taux d'intérêt, et voilà, et des gens qui avaient un revenu moyen, quelqu'un qui gagnait 2 000 euros, pouvait avoir un pouvoir d'achat de 4 000-5 000 euros comparé à la période des années 2000, puisque ben, vous avez l'argent coûte moins cher, vous pouvez emprunter plus, donc les prix montent, et voilà. Donc si vous aviez 2 000 euros, on vous prêtait 100 000 euros dans les années 2000, bah avec 2 000 euros, on vous prêtait 300, 400 000 euros. Donc attention à ça, de ne pas vous faire piéger, et tout ça, c'est l'effet de levier. Il y a un effet de levier sur les marchés, l'effet de levier sur les CFD, sur les futurs, tout le monde utilise de l'effet de levier sur les marchés financiers. Donc en gros, les gens possèdent plus d'actions qu'ils n'ont de capital réel. Et c'est ce qui provoque les krachs boursiers parce qu'il y a un manque de liquidité. La majorité des gens sur les marchés n'achètent pas cash, ils achètent en levier. Donc en gros, une personne achète plus d'actions qu'elle ne peut réellement payer en réalité. Donc je vais surveiller des choses très très simples sur l'indice. Hein, si on passe en daily.
On délie, alors on voit bien qu'on est sous l'influence, on est dans une tendance haussière et puis on évolue au-dessus de ma zone d'or de vente, même si j'ai eu ce petit mouvement qui m'avait permis de faire quelques gains. Ici, je n'ai plus envie d'acheter le marché, j'ai pas envie, même si je suis dans une stratégie baissière moyen terme, je peux faire du trading très court terme, mais je n'ai même pas envie d'acheter, j'attends tout simplement le prochain signal de vente 4 heures. Donc on voit sur l'indice CAC 40, on est vraiment dans un mouvement. Si on peut viser une correction minime sur l'indice, si je prends ce mouvement-là, là on voit que l'indice a fait un plus haut, il tente de refaire un plus haut. Voilà, le retour minimum sur l'indice à court terme, court moyen terme, je pourrais dire que c'est vraiment dans cette zone-là. C'est vraiment cette zone-là. Cette zone-là va être testée avant sur le prochain signal de 24 heures. Donc le but, ce sera d'avoir des positions vendeuses sur des niveaux intelligents pour le mettre des stops et là jouer un mouvement plus copieux, aller chercher les 5 500 points. Donc pour l'instant, aucune précipitation, il faut juste attendre le signal de 24 heures, laisser le marché monter. Plus il montera, plus on aura un beau signal de vente pour gagner beaucoup d'argent sur le prochain mouvement baissier. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans l'attente. On voit que c'est des mouvements qui durent. On voit que le signal d'achat horaire, déjà, c'est ici, on voit que là, on a ce signal d'achat horaire, on est toujours sur cette influence. Donc moi, ça va m'intéresser de surveiller le prochain signal de vente horaire sur l'indice pour me positionner à proximité de records historiques. Je rappelle que, en fin de compte, ce qui se passe sur les marchés, si on regarde en hebdomadaire, ici, en hebdomadaire, j'ai vendu moi en 2021, hein, ce qui m'a permis de faire mes performances dans cette zone-là, à peu près août 2021. J'étais vendeur dans la zone-là, donc ça continue à monter. J'ai toujours gagné de l'argent en vendant toujours un peu trop tôt. Et là, eh ben, on est un peu sur mon même niveau, les mêmes niveaux de vente que j'ai qui m'ont permis de profiter derrière d'une correction. Donc là, ça m'intéresse de jouer ce mois. Alors, je ne sais pas si l'indice peut monter ici. Si l'indice revenait sur les records, moi, je verrais plus un phénomène de double creux, comme de double sommet, comme ça, je verrais plus ce scénario-là sur l'indice CAC 40. Un échec ici après une grosse baisse de l'indice. Donc, je laisse monter les indices, je ne suis pas pressé, mais quand je vois économiquement et géopolitiquement ce qui va se passer en 2023, je pense qu'on va avoir de très beaux mouvements correctifs et qu'on aura des opportunités d'acheter des actions bien plus bas que les niveaux actuels. Donc dans l'attente actuellement, je ne place pas d'ordre. Qu'est-ce que je pourrais mettre quand même pour vraiment dans le côté spéculatif, hein. On va regarder en daily, peut-être placer 2-3 heures d'histoire de faire un peu de gain. Moi, ce niveau-là, voilà, je vais pouvoir placer un petit ordre ici qui peut m'intéresser si dans la semaine je suis touché là. Je vais vraiment aller chercher du short, histoire de capter du gain, de me positionner. Là, ça m'intéresse. Ici, je suis naturellement vendeur, hein, bien sûr, de cette zone. Mais je vais me positionner vraiment sur ce. Voilà. Ces deux niveaux ici, voilà. Je vais vraiment vendre les deux niveaux là, peut-être pour ça, et un ici. Voilà. Dans une optique très court terme pour jouer. Donc le but, si vraiment j'avais mon signal de vente 4 heures, je sortirais, je prendrais des bénéfices à 50% et je placerais mes stops sur mes prix de vente. Là, voilà, j'ai vraiment envie de voir parce qu'on a quand même ce niveau, ce niveau, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, cette tête à épaule, le niveau maximum, la zone de vente idéale en cas de folie acheteuse, ce serait vraiment sur ce niveau-là, où là, bien sûr, je serais vendeur très très fort de l'indice. D'ailleurs, je vais même être plus prudent parce qu'j'ai toujours passé un long. Voilà, mais je vais me mettre comme ça. Voilà, moi, c'est sûr et certain que je vends mais ces zones-là. Si jamais on allait là, j'y crois pas. Je serai vendeur, je renforcerai mes positions vendeuses vraiment sur ces niveaux-là. Ces niveaux-là, voilà. J'aurais plus tendance à me positionner comme ça. Un petit excès aussi. Si je vais vraiment vendre. Le marché veut vraiment vendre des prix forts. Veut acheter. Donc là, je ne me pose pas de questions. Bah, les acheteurs sont prêts à payer un prix fort. Moi, mon but, c'est de leur vendre un peu. Voilà, moi, je suis vraiment dans cette optique-là. Et si je passe en mensuel. Vous allez voir ce que je fais derrière en mensuel et je vais chercher derrière ces ordres-là. Ça va être vraiment des ordres que je vais garder derrière. Je vais chercher les 4 900 points. Je vais chercher ce niveau-là. J'ai vraiment sur l'indice CAC. C'est vraiment, je n'achetais pas dans cette zone-là. N'achetez surtout pas dans celle. Attendez des signaux de vente. Soyez patient et vous allez avoir des super signaux de vente.
Alors, je rappelle que les hausses sont plus lentes et puis derrière, les baisses sont très rapides. Attention à ça, on peut effacer les 20% en quelques semaines. Voilà. Moi, voilà. En gros, je n'achète pas les records, mais c'est pareil sur tous les indices. Si on prend le DAX, par exemple, le DAX, je n'achète pas le DAX. Je vais aller plus vite hein, pour. Voilà, moi je suis dans un mouvement. Alors dès que c'est ici, on va peut-être aller là, mais voilà, le DAX derrière, je vais chercher ce mouvement-là. Sur le DAX, il n'y a aucun changement. Donc voilà. Donc plus ça monte, plus on se rapproche de mes niveaux de vente. L'US 30, exactement pareil. Il va avoir du mal, l'US 30 aussi, avec la récession qui arrive. Et l'US 30, voilà, on essaye de pousser. Peut-être qu'il va essayer de pousser encore. Je vois pas quelle bonne nouvelle on va pouvoir porter l'indice, mais voilà, je vise vraiment ce mouvement-là et je serai acheteur vraiment à proximité de cette zone-là sur l'US 30. Donc il va être patient. L'US 500, il a du retard, donc je pense que c'est des indices. C'est vraiment les indices CAC, DAX et Dow Jones arriver à continuer à pousser. Pour moi, ils arrivent déjà à saturation. C'est vraiment parce qu'on aurait le SP500 qui s'accrocherait encore et surtout les valeurs technologiques. Mais je joue vraiment ce mouvement-là. Pareil, c'est la zone que je vise sur les SP500. Voilà, donc là, on voit les technologies s'achètent. Pourquoi? Ben, les indices CAC, DAX, US 30 sont plus haut, proches de leur record. Et puis le Nasdaq a du retard. Donc voilà, donc là, aujourd'hui, les investisseurs se disent, mince, il faut acheter des valeurs technologiques. Donc ils ont envie de jouer ce rebond. Mais derrière, je vais bien sûr chercher ce niveau-là que l'on voit, les 8 500 points. Donc lui, là, c'est vraiment l'indice où il y a plus de potentiel haussier à l'achat comparé aux autres indices. On voit bien, ça essaye de franchir. On est en train de casser une droite de temps. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas encore vendeur de l'indice Nasdaq que j'avais vendu moi tout en haut. J'ai joué la baisse, j'ai racheté mes ventes ici. J'ai plus de position en vente sur le Nasdaq puisque ma zone de vente, moi, elle est dans cette zone-là. Cette zone-là m'intéresse pour vendre le Nasdaq. Donc là, pour l'instant, je suis pas en position vendeuse sur le Nasdaq, mais voilà, il n'a pas progressé. Donc est-ce qu'on va avoir un rebond qui va permettre de faire porter le CAC et le DAX encore tenir quelques temps? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr derrière, c'est qu'on va avoir une phase de correction. C'est inévitable. On a un mouvement de repli. Pour être plus juste sur le mouvement à venir, on va être plus dans ce type de mouvement. Plus avoir ce type de mouvement, peut-être une poussée serait maximum, j'y crois pas, franchement, si on arrive déjà ici, ce sera très très beau. Voilà, au maximum, ce sera ça, et on aurait ce mouvement baissier pour revenir ensuite tester ma zone d'achat. L'achat idéal sur le Nasdaq, c'est bien sûr cette zone-là, mais déjà, j'achèterais à 8 500 points. Mais la zone d'achat, il y a de grandes chances que l'indice revienne quand même dans cette zone-là, donc attention. L'US 2000, pareil que le Nasdaq, ma zone de vente sur cet indice se situe sur ce niveau-là, même si ici c'est une zone qui est déjà intéressante, mais quand on voit le retard et par rapport aux zones d'indice, on peut s'accrocher à la hausse et derrière je vais naturellement chercher toujours pareil le mouvement correctif. Je rappelle que je vise les 1 400 points sur l'US 2000. L'euro, je reviens sur l'euro. L'euro, attention sur l'euro. J'avais acheté l'euro au plus bas pour viser un retour vers les 1,12-1,10. Hein, comme je disais, non, mais on se rapproche de ce niveau-là. Donc, je m'attends à une correction de l'euro. On est dans l'enveloppe des MA ici, là. On est dans l'enveloppe. Alors, c'est pas vendre l'euro hein, qu'il faut faire, c'est prendre ses bénéfices sur ces gens-là, commencer à s'alléger. Parce qu'on a vraiment cette zone ici de résistance. On peut encore pousser ici, mais on va avoir une correction. Donc, je pense que si les gens voulaient revenir sur l'euro, attention, actuellement, le potentiel baissier de l'euro, c'est 1,04. Hein, dans cette zone-là, c'est le potentiel correctif du mouvement qu'on a. L'euro pourrait revenir ici et une baisse de l'euro, une hausse du dollar pourrait amplifier la baisse des marchés. Ça veut dire que le dollar devient à nouveau valeur refuge. Attention à ce niveau-là. Je déconseille d'avoir des achats, d'acheter à proximité de ce niveau-là, de cette grosse résistance. Vous avez plus de chances, le mouvement qu'on est en train de faire, c'est bon, un moment, ça peut s'arrêter à tout moment, mais ici, mais là, c'est direct une correction dans cette zone-là et ce niveau-là sera beaucoup plus élevé. Donc on aura vraiment cette zone, voilà, c'est la zone corrective qu'on aura derrière ici. Voilà, vous aurez vraiment ce mouvement. Ça veut dire que par rapport à ce niveau-là, vous avez un mouvement. Si on prend, voilà, un mouvement baissier, l'euro pourrait perdre entre 6,
6 et 10% après ce mouvement. Donc je vais surveiller sagement l'euro. Je vais remettre mon retracement. Voilà, l'euro, c'est pareil que sur les indices. J'attends tout simplement le prochain signal de vente 4 heures sur l'euro. Voilà, ça, je vais remettre mon petit retracement ici. Du mouvement, c'est voilà. J'attends, on voit bien, on a eu un faux signal ici. Maintenant, on va un signal 4 heures et après, on va avoir une correction de l'euro. Donc, c'est ce qui m'intéresse à surveiller. Donc, là, je suis plus à m'alléger de mes achats et à commencer à surveiller l'euro pour jouer une correction de l'euro. On a l'indice britannique qui, lui, est sur des niveaux astronomiques. Alors, celui-là, on a eu le Brexit, on a le soutien de la guerre en Ukraine, l'économie, l'inflation, les conflits sociaux. Donc là, ici, je vais me positionner à la vente encore. Je vais faire un petit short ici. Voilà. Un petit short sur ce niveau-là. Si on revenait sur ce niveau-là, ben, je ferai un petit short sereinement. Et puis ici, je vais vendre vraiment ces deux niveaux. Deux niveaux. Je vais même me positionner. Ouais, deux niveaux comme ça. Enfin, deux petits shorts pour avoir des gains un petit peu. Me positionner sur des records. Je vais regarder, voilà. Je vais vraiment vendre ces niveaux-là et puis je vais aller attendre le retournement sagement des marchés. Donc là, je vais jouer une correction rapide. C'est des petits gains que je vais aller chercher. Je vais aller chercher des pullbacks ici, petit à petit. Voilà. Mais mon but sur cet indice, il est vraiment d'aller chercher des mouvements baissiers plus profonds, hein, sur l'indice, puisque, comme vous le savez, sur cet indice-là, je vais chercher cette zone-là, ici. C'est un retour dans la zone A. Donc voilà, on est monté, mais on va corriger derrière. Donc pour l'instant, je ne fais rien. J'ai quelques positions vendeuses et j'attends tout simplement des signaux de vente 4 heures sur les indices pour jouer ces prochains signaux de vente 4 heures qui m'intéressent. On a eu un signal, on a eu le deuxième. On pourrait avoir ce dernier mouvement ici, ça veut dire un signal de vente 4 heures, un petit peu, et la dernière vague pour après s'effondrer sur les marchés. On aurait fait une vague en fin de compte ici, on aurait eu un premier mouvement comme ça, hein. On peut terminer celui-là dans pas longtemps, et puis après peut-être le dernier qui sera, et après je jouerai une baisse de l'indice. Donc voilà, donc peu de choses à faire actuellement, il faut laisser l'euphorie se terminer sur les marchés, se faire. C'est une excellente chose que les marchés montent. Pourquoi c'est une excellente chose? Bah, tout simplement parce que bah, quand j'étais ici j'avais 20 000 euros. Ici, je me suis retrouvé à 87 000 euros. Et là, maintenant, on est en train de remonter. Et là, je me retrouve avec beaucoup plus de capital sur les mêmes niveaux où j'étais avant. Donc, j'ai une possibilité de frappe qui est très importante pour aller chercher les 4 900 points, mais surtout un nouveau test des 5 500 points. Donc, voilà, ma stratégie, c'est les marchés sont dans un rebond. Le rebond, il est excessif, il est anormal, injustifié. Et il va être suivi d'un fort mouvement correctif et certainement de plus bas sur les indices. Donc surveillez, ne vous précipitez pas, attendez des beaux signaux de vente. Et là, et ben moi je ferai ce que je dis et vous aurez le suivi, hein, de mes performances. Je vais vendre à nouveau les indices, mais là cette fois-ci je pense que je vais être un peu plus agressif que j'étais en 2021, parce que je vais avoir un gros potentiel baissier, d'autant que on a cette guerre en Ukraine qui est inquiétante, cette récession économique à venir. C'est même une stagflation qu'on risque d'avoir. Donc attention, attention à ne croyez pas que l'économie va être aussi florissante qu'avant 2021. Nous ne sommes plus du tout dans la même économie. Tout a changé. Nous n'avons plus le soutien des banques centrales. Elles n'ont plus de cartouches. Nous avons des dettes astronomiques. Nous avons une guerre en Ukraine. Nous avons un commerce mondial qui est perturbé. Et nous avons une inflation qui est très forte sur les secteurs les plus dramatiques pour le consommateur, qui est le loyer, l'alimentaire. Bien sûr, ces secteurs qui pénalisent fortement le budget des ménages et puis des services aussi, tout ce qui est santé et tout. Donc attention à ça. N'achetez surtout pas sur ces niveaux
des marchés. Sur ce, je vous dis à bientôt et un bon week-end. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Facebook Trader Pro et à venir échanger avec nous si vous avez des questions. Le portefeuille actions, j'ai des que je vais que je vais assurer le suivi, bien sûr. Ce portefeuille actions, bah, il va prendre toute sa valeur, tout son intérêt quand on aura corrigé sur les marchés. Pour l'instant, je n'achète pas d'actions. J'ai juste acheté Amazon pour le fun sur le dernier plus bas. Mais voilà, mais autrement, aucune action. Si vous voulez être à l'achat et que vous êtes persuadé que les marchés vont monter encore, favorisez le Nasdaq sur repli parce que c'est vraiment l'indice qui conserve le plus de potentiel comparé aux autres indices, même si derrière l'indice Nasdaq, gardez à l'esprit, va retourner à 8500 points. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.